Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voyager en Turquie à Istanbul. Donc avant de faire votre voyage, je vous conseille de regarder ma vidéo car je vais vous expliquer les règles à respecter, comme remplir un formulaire sur le site de registreur health.gouv.tr. C'est un formulaire à remplir en ligne pour mettre vos informations, aussi bien le nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et l'adresse là où vous allez résider pendant votre séjour. Ensuite, vous allez obtenir un certificat d'entrée en Turquie et ils pourront vous contacter s'il y a un problème. Ensuite, moi j'ai pris mes billets sur le site de Turkish Airlines car il y a un meilleur confort. Vous avez droit à 30 kg de bagages et vous avez un menu inclus dans votre billet. J'ai pris l'avion de Basel pour atterrir à l'aéroport d'Istanbul. J'ai acheté mes billets à 250 € pour un voyage d'une semaine. J'ai pris mon billet le lundi pour l'aller et le retour, c'était mardi. Si vous le prenez en week-end, cela vous coûtera un peu plus cher. Donc là, nous sommes arrivés à l'aéroport d'Istanbul au bout de 3 heures de voyage. Et comme vous voyez, l'aéroport, il est tout neuf, il est très moderne. Vous ne risquez pas de vous perdre car il y a des pancartes d'information quasiment partout avec les numéros de vol, les numéros de porte. En même temps, il y a plein de boutiques, de grandes marques. Ensuite, après avoir pris nos bagages, notre taxi est venu nous prendre. Le taxi, on l'a contacté auparavant. On avait le numéro de Monsieur Hussein Yildiz qui est venu nous prendre au Mercedes Vito. Donc, vraiment un service VIP. N'ayez pas peur quand je vous dis VIP, ce n'est pas cher du tout, car c'est un prix vraiment très très abordable. C'est pour ça que je tiens à préciser le taxi, c'est Venezia Tourism. Il vous fait aussi bien le transfert hôtel-aéroport et il peut aussi vous faire visiter Istanbul à des prix très très raisonnables. Je vous laisserai la carte de visite de Monsieur Hüseyin Yıldız. Comme ça, vous pourrez le contacter par WhatsApp. Il y a son numéro de téléphone. Nous, notre trajet a duré 1 heure de l'aéroport d'Istanbul pour arriver au quartier de Fatih, à l'hôtel Misa Hotel, et il nous a facturé 35 €. Donc, c'était très très raisonnable. Et là, nous sommes arrivés à l'hôtel. L'hôtel s'appelle Misa Hotel. Il est très correct au niveau du prix, confort, qualité. On est resté une semaine, du lundi au mardi prochain. Donc, pour 8 jours, j'ai payé 280 €. C'était une chambre pour 2 personnes. Donc, très économique par la même occasion. Dans l'hôtel, il y avait le petit déjeuner inclus. Le petit déjeuner, c'était de 8 h à 10 h le matin. Il était à volonté et nous avions une vue imprenable sur Istanbul. C'était vraiment un grand plaisir de prendre le petit déjeuner car la cafétéria se trouvait au dernier étage de l'hôtel. Comme vous voyez, on a une très belle vue sur Istanbul et vous pouvez faire votre petit déjeuner en compagnie des mouettes qui vous regardent sur le bord des fenêtres. Et le lendemain, nous avons été visiter la ville de Fatih. On a été plus exactement devant la mairie et là, on voit un mémorium qui a été fait pour les personnes qui sont décédées durant le coup d'État qui a eu lieu en juillet 2016. Plus exactement, dans la nuit du 15 au 16 juillet, le gouvernement turc a été victime d'une tentative de coup d'État, mais qui finalement a été empêchée. Le bilan était de 265 morts et près de 1 500 personnes blessées. Et par la suite, il y a eu plus de 2 800 militaires arrêtés. Là, ce que vous voyez, ce sont des gens, c'est le peuple turc qui prend ses ablutions avant d'aller s'opposer aux chars militaires et pour essayer d'empêcher le coup d'État, en fait. Tout le peuple était dans les rues. Et c'est grâce au peuple que ce coup d'État a été empêché.
Donc c'est vraiment une situation à mémoriser et à ne pas oublier. Ensuite, nous sommes allés au quartier de Eménéneu. Eménéneu, c'est un quartier très populaire. Je vous conseille absolument d'y aller, de faire un tour, car là-bas vous avez le grand bazar d'Istanbul, vous avez la mosquée Süleymaniye, vous avez le bazar aux épices, la mosquée Rüstem Pacha et plein d'autres mosquées, bien sûr. Il y a aussi le hammam, un grand hammam qui s'appelle Çemberlitaş. Et par la même occasion, quand vous allez visiter le grand bazar, vous allez trouver plein de sortes d'épices, de sucreries, aussi bien des tapis, des bijoux et plein d'articles traditionnels que vous pouvez offrir à vos proches. Donc, après avoir visité aussi le quartier de Eminönü, nous avons été prendre un bon petit déjeuner. C'est un endroit que je vous conseille absolument. C'est un café-restaurant qui s'appelle Dürbün. On y a mangé, mais vraiment comme des rois. Là, ce que je vais vous montrer, c'est un petit déjeuner qui s'appelle Serpme. Donc, c'est une variété de petits déjeuners. Là, il y a pour deux personnes, mais nous, on était quatre et on a eu largement suffisant pour quatre personnes. Ensuite, pour le petit déjeuner comme ça, à côté, on a commandé aussi du kuymak. C'est une spécialité turque. C'est du beurre avec du fromage et de la semoule de maïs. C'est comme un fondu. On trempe le pain dedans et c'est vraiment délicieux, je vous le conseille. Ensuite, ce café, il est très très bien situé. Il est au dernier étage d'un immeuble et c'est pour ça que elle a une vue imprenable sur Istanbul. Donc vous allez prendre votre petit déjeuner avec une vue vraiment magnifique sur Istanbul. On y a pris le petit déjeuner, on a pris aussi notre café, un dessert, et croyez-moi, les prix étaient très raisonnables. Le prix d'un serpme kahvaltı pour deux personnes était à 230 TL, Türk lira. Ce qui faisait moins de 15 euros. Donc, et on a mangé à 4. Donc, c'est pas parce que c'est luxueux que ça va être cher. C'était très abordable. Et en plus, on avait une magnifique vue sur Istanbul. Voilà, cette vidéo prend fin ici. J'aurai encore plein d'autres endroits à vous conseiller. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des vidéos que je vais diffuser les jours qui vont suivre. Ce seront des vidéos aussi sur Istanbul, les meilleures adresses, les meilleurs endroits où visiter et là où vous pouvez faire les bonnes affaires pour du bon shopping. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à commenter ma vidéo et sur ce, je vous laisse avec une vue sur Istanbul.